Allez, bonjour à tous, on croise les doigts, j'ai mis les lunettes rouges pour être très efficace aujourd'hui. J'espère que l'audio, ça va fonctionner, je vais regarder, dites-moi si ça marche ou si ça ne marche pas. J'espère que le cauchemar d'hier ne va pas se répéter. Bonjour à Omar, bonjour à Curiosidades, bonjour à Stardust, bonjour à Bickert, vous slattez là aussi, Yossi est avec nous, Victoria Posse est là, Victoria Jacques aussi, Olga Ruiz est là, coucou, qui est-ce qu'il y a d'autre? Hilary Well est avec nous, Cosmina Bellou est là, Yulia qui dit il essaye d'arriver son problème technique, je ne sais pas, dites-moi si le micro fonctionne ou pas et on verra. Kategeek est là et puis Cheryline est avec nous. Mais c'est pour voir, parce que sinon je suis obligé de faire comme ça et je pense que c'est pas une bonne solution. On va préserver son corps en 2021. Susanna est là, bonjour. Roman est là. Bah écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver. Si ça marche bien, Yossi, merci, qui nous dit que l'audio est parfait. Eh ben ça va. On peut commencer. Mercurial Man, bonjour à vous aussi. Allez. Et aujourd'hui, ce sera de la musique classique. Alors souvenez-vous, hein, avant de commencer, j'ai envie de parler uniquement en français aujourd'hui. Si vous avez des questions en anglais, demandez, mais je vais parler en français. Donc vous devriez utiliser un dictionnaire si jamais vous rencontrez eh bien, des mots que vous ne connaissez pas. Les dictionnaires que nous avons référencés sont Word Reference, DeepL, Collins, Larousse et Google Translate, si vous voulez. Bickert, les lunettes rouges vous porteront chance, peut-être. Oh, c'est pas rouge comme... Ok, tout va bien, merci. Sundar nous rejoint, bonjour. Allez, n'oubliez pas de cliquer sur like, ce serait très 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 gentil, merci beaucoup. Et puis, si vous voulez vous abonner, ben, c'est toujours une option. Allez, la question du jour, qu'avez-vous fait le 31 décembre? Racontez-moi ce que vous avez fait le 31 décembre, si vous avez fait quelque chose de spécial ou pas, je ne sais pas. Une petite minute pour me répondre. Merci. Alors, Bombville Lover nous rejoint. Bonjour, bonjour. Prenez une petite minute pour répondre à la question « Qu'est-ce que vous avez fait le 31 décembre ? » Est-ce que c'était la fête ou est-ce que c'était uniquement la maison ? Alors, Stardust qui répète trois fois le même verbe et finalement, ça forme une phrase « boire et boire ». Et boire. Très bien, effectivement. Ben finalement, hein, deux mots qu'on répète et ça fait une petite phrase. Lorcy qui nous dit dormir, d'accord. Bonne activité, une très bonne activité, dormir. Sundar qui nous dit ben, rien de spécial pour le 31 décembre. C'était un jour normal, apparemment. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui vont répondre? Allez, on va mettre un peu de musique en attendant. Bonjour Greta, bonjour, bonjour. Alors, Mercurial Man qui dit « J'ai rien fait de spécial ». Victoria Jacques, je suis restée à la maison et j'ai regardé le bal du Nouvel An à la télévision. Qu'est-ce que c'est le bal du Nouvel An? Je ne connais pas Victoria Jacques. Connais pas le bal du Moulin. Alors, Hilary qui nous dit « J'ai regardé des films avec ma famille ». Ben ça, c'est sympa aussi. Teddy qui nous dit « Je regardais des séries coréennes ». Très bien. Omar qui nous dit « Je n'ai fait rien de spécial. On a été chez nous comme d'habitude. » Ben oui, on n'a pas le choix. Hein. Rory qui est là aussi. « Bonjour Rory. J'ai fait une fête en ligne avec Zoom. » D'accord, avec ma famille qui est aux Philippines, oui. C'est bizarre, hein,
Oui, j'ai mangé avec ma mère un soir comme ça. Par Zoom, c'est bizarre, mais c'est sympathique. Bombville Lover qui dit, j'ai joué au jeu avec ma famille et avec mes amis sur Zoom. Sapna, bonjour, bonjour. Ça fait longtemps et bienvenue, Sapna. Susanna qui nous dit, nous sommes restés à la maison. Attention, c'est avec être. Et nous avons joué au jeu vidéo. Très bien, Susanna, quel jeu? Ce serait intéressant. Kang qui nous dit, je n'ai rien fait. J'ai juste regardé un film. Et j'ai dormi. Très bien. Victoria Posse qui nous dit j'ai mangé 24 raisins au lieu de 12. Alors là, les excès incroyables pour voir s'il y a plus de chance cette année. Et c'est possible, on ne sait pas, tout est possible. Curiosidades qui nous dit j'étais à la maison avec ma famille. Et c'est agréable de passer du temps effectivement avec nos proches. Vous avez raison. Yuki qui nous dit, j'ai mangé. Oh, je vous ai perdu, Yuki. Ah, Yuki qui nous dit, j'ai mangé un hot pot avec ma famille. Cheryline qui nous dit, j'ai cuisiné du barramundi avec ma famille et j'ai regardé les feux d'artifice de Sydney. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était très joli, et puis c'est assez traditionnel, ils sont très jolis. Gady qui nous dit, ok Gady, thank you very much if you love my channel. Try to write a little sentence in French, ok? To be fun. Prita qui nous dit, s'il vous plaît, aidez-moi pour le livre de la saison 2. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Yossi, rien de spécial, c'est l'anniversaire de notre connaissance. Ah, quand vous vous êtes rencontré avec votre femme, peut-être, ou de nos amis. Je ne sais pas. Roman, je n'ai rien fait de spécial, mais juste célébré avec mes amis. Bickert qui nous dit, nous avons fait une fête chez ma belle-sœur à Istanbul ensemble avec ma famille. Nous avons mangé beaucoup et bu beaucoup de vin et de champagne. Kategeek qui nous dit, j'ai regardé des films de Noël. Julia qui nous dit, alors attendez, Julia, je vous ai perdu. Le 31 décembre, moi et mon meilleur ami Vacherin Mondor. Ah, délicieux. Nous sommes bien amusés ensemble. Mais je pense que le fromage, il a disparu, lui. Hein. Je sais pas si c'est bien amusé. Victoria Jacques qui nous dit, ah, d'accord, le bal à Times Square. D'accord. Mais c'est un bal. Les gens dansent comme ça, peut-être. Vouslat, j'étais chez moi avec ma famille le 31 décembre. J'ai écouté de la musique après le dîner. Cosmina, le soir du 31 décembre, j'ai visité pour quelques minutes. Ouais, rendre visite. Hein. J'ai rendu visite pour quelques minutes à mes parents et je leur ai donné des cadeaux. Olga qui nous dit, j'ai été chez moi avec mes voisines du Venezuela et nous avons bien mangé. Cosmina qui continue, après, je suis retourné chez moi et je me suis habillé avec ma plus belle robe. J'ai ajouté des bijoux et j'ai attendu que 2020 soit passé. Et après, youpi, c'est 2021. Rita, bonjour. Très bien, bah écoutez, Cassandra nous rejoint, bonjour, bonjour. Et puis, Gilvana nous rejoint aussi. Vous pouvez participer à l'exercice suivant. Merci beaucoup. Allez, le monument du jour, bon c'est un classique, hein. C'est un classique mais c'est toujours l'occasion quand même de redécouvrir ben, la pyramide du Louvre. Alors bien sûr vous connaissez le Louvre et vous connaissez probablement la pyramide. Écrivez-moi une petite phrase pour me décrire ou me commenter cette photo. Est-ce que vous aimez bien la pyramide? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est à vous de vous exprimer. Alors, en attendant vos réponses, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'avoir eh bien Netflix. Sur Netflix, il y a actuellement une série française qui s'appelle Lupin. Et le premier épisode de cette série Lupin, qui est avec Omar Sy,
Mais bien ça se passe au Louvre. Donc ça pourrait être intéressant si vous avez envie de voir une série française. Il y a cette série qui vient de sortir et c'est Lupin, comme Arsène Lupin le personnage. Alors Gilvana qui nous dit je suis brésilienne, c'est bien. Écrivez-moi une phrase s'il vous plaît. Aaron, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors Roman qui nous dit c'est une très belle pyramide. Donc Roman aime bien la pyramide du Louvre, d'accord. Il y a des personnes qui la détestent. Hein. Vous savez, il y a des personnes qui ne voulaient pas qu'on construise la pyramide du Louvre. Alors, Victoria Jacquet nous dit, c'est une belle photo du Louvre la nuit. Très bien, effectivement. Alors donc, Victoria Jacques apparemment aime bien la pyramide aussi. Stardust qui nous dit, je pense que la pyramide est magnifique, même si elle ne convient pas au reste du bâtiment. Parce que c'est ça la question, hein, c'est est-ce que on doit garder les choses modernes uniquement avec des choses modernes ou est-ce qu'on peut les mélanger avec des choses plus ancienne. Bickert, cette pyramide est très sympa et brillante comme de l'or à côté du monument. Greta qui nous dit la pyramide est très belle. Omar qui nous dit cet endroit est réellement incroyable à visiter. Cherylyn, c'est l'endroit où le personnage d'Omar Sy a volé un précieux collier. Oui, donc Cherylyn, vous avez vu la série aussi? Oh, moi j'ai regardé tous les épisodes comme ça, d'un coup. Lorsi qui nous dit je regarde toute la série en un jour. Oui, moi aussi, Lorsi. La même chose, direct, comme ça, je ne me suis pas arrêté. Olga qui nous dit très joli, c'est comme un diamant. Curiosidades qui nous dit je pense que c'est un lieu emblématique qui reflète l'art. Susanna qui nous dit j'ai visité le Louvre une fois, attention féminin, quand j'étais au lycée. Très bien, Pretty qui nous dit c'est très beau, d'accord, Pretty Carrie. Ensuite, Kategi qui nous dit cet endroit est magnifique, je l'ai visité en décembre 2016. Mercurial qui nous dit Lupin, oui, d'accord. Alors, Mercurial, regardez la série, c'est pas mal, c'est bien. Et pour travailler le français, c'est toujours un bon exercice. Et la série est pas mal. Victoria Posse, ça me laisse la bouche ouverte, comme c'est beau. Faites attention, si la bouche est ouverte, on peut mettre du raisin encore. Il faut fermer la bouche. Julia qui nous dit, je ne sais toujours pas pourquoi la pyramide est là. Et oui, j'ai regardé Lupin hier, j'aime Omar Sy. C'est pas mal, je trouve, Lupin. Daniel Ferrari, la pyramide du musée du Louvre est très belle, grande et transparente. De très beaux adjectifs que vous nous offrez. Yossi, la pyramide du Louvre se trouve devant l'entrée et symbolise que la partie du Louvre est consacrée à l'égyptologie. Hillary qui nous dit « La pyramide est très cool !» Ce Louvre de Paris, nous dit Sundar, c'est tellement beau. Cherylyn qui dit « Moi j'ai hâte de voir la suite !» Oui, c'est vrai qu'on attend la suite, mais je ne sais pas si ça va arriver tout de suite ou peut-être qu'il faut attendre. Vouslat, la pyramide du Louvre est intéressante, mais le Louvre est tellement beau qu'il n'a pas besoin d'une pyramide. Cosmina qui nous dit « Oui, j'aime la pyramide. Je crois que la construction de la pyramide en face du Louvre a été une bonne idée. » Mais il n'y avait rien surtout. Et c'est vrai que c'est chouette, moi, je trouve. Et vous continuez. C'est une combinaison très chouette entre le vieux château et l'architecture moderne de la pyramide. Eh oui. Et Kang Li qui nous dit « C'est le musée du Louvre à Paris après les pluies de la nuit. » Alors, ce n'est pas vraiment des pluies ici parce qu'il y a des bassins. Hein, Kang Li, il y a des bassins à côté de la pyramide. Allez. Allez, comme d'habitude, je vous demande de faire un petit peu de traduction. C'est toujours un petit exercice intéressant et assez rapide. Donc, quelques verbes à traduire et c'est relativement simple. Comment est-ce que vous pourriez traduire en français « to go up » ou « to mount » Allez-y. «
Alors, Pamela Sou qui nous rejoint. My mom is French and I understand French, but I can't speak it. Trying to get better at speaking it. Don't worry, Pamela Sou. It's okay. I've got some children and they've got two languages, like you, I assume. It's not a problem. Don't worry. You need to be bold. You need to be brave. You need to try. And don't be afraid to make any mistakes, okay? So just participate to the lesson, try to translate, try to do the things, and you will see that it's little by little, it will be easier and easier. So it's not a problem. Don't get stressed with that, it will come. Alors, vous me proposez monter, oui, effectivement. Alors, je regarde, Sundar propose grimper, c'est très bien aussi. Donc monter, grimper, élever... Sylvia, peut-être pas élever, parce que c'est un petit peu étrange. S'élever, alors la forme pronominale, ce serait possible, s'élever. Bon, monter, s'élever, mais c'est pas la meilleure. Grimper, effectivement. Olga, monter, oui, c'est ça. Faites attention, c'est monter, ce n'est pas montrer. D'accord? Donc ici, excusez-moi, j'appuie. Comme vous voyez, donc ce sera monter. M-O-N-T-E. R. Monter, c'est ce que nous cherchons. Allez, on regarde le deuxième. Le deuxième, c'est « to look at oneself ». Comment est-ce que vous pourriez traduire « to look at oneself » en français ? Allez-y. Alors, Mohamed propose « ascendre » pour le précédent. Alors, c'est très intéressant puisque « ascendre » n'existe pas en français. Ce qui est très, très étrange puisque le substantif « ascension » existe, un ascenseur, etc. Mais en fait, le verbe n'existe pas. Alors, « monter hein, »,« pretty Carrie »,« monter », « M-O-N-T-E-R. And that's the reason why normally you should have seen maybe on the screen. So, but it's okay. M-O-N-T-E-R. D'accord? Alors, regardez ici. Yeah, the idea here... Ah, pardon, j'ai dit je le faisais en français. L'idée ici, c'est d'utiliser, eh bien, oui, la forme pronominale. Et donc, la forme pronominale, c'est « se regarder ». Pour l'infinitif, bien sûr. Si vous voulez mettre après les formes « je me regarde »,« tu te regardes »,« il, elle se regarde »,« nous nous regardons »,« vous vous regardez », »,« il, elle se regarde ». D'accord ? Donc ici, effectivement, c'est le verbe « se regarder ». Numéro 3, « to show ». Alors, « to show », et là, ça va être intéressant. Comment est-ce que vous pouvez traduire ce verbe en français, s'il vous plaît ? Et voilà, c'est Cosmina Bellou qui est la première. Bravo Cosmina, vous slattez juste après. Donc dans ce cas-là, effectivement, nous sommes d'accord que le verbe sera « montrer » avec le « r ». Tout à l'heure, « monter », eh bien c'était « go up » ou « mount ». Ici, c'est « montrer » avec le « r ». Et « montrer », eh bien c'est tout simplement « to show ». Je regarde, Julia qui dit « montrer » ou « montre ». Oui, pourquoi montre ? C'est quand vous conjuguez, mais ici c'est l'infinitif, hein. On est d'accord que c'est montrer, verbe régulier du premier groupe, très très facile à conjuguer, Daria, qui... mais j'ai d'autres couleurs aussi, Daria. Mais j'étais fatigué de... Avant, j'étais comme ça, parce que j'ai du mal à voir l'écran, et je me suis dit non, maintenant je mets les lunettes. C'est plus simple. Allez, le quatrième, « to introduce oneself ». Comment est-ce que vous pourriez traduire « to introduce oneself » en français, s'il vous plaît ?
Alors effectivement, c'est Cosmina qui encore une fois est la première et elle n'a pas d'accent, mais si elle avait un clavier avec les accents comme Muhammad par exemple ou Vuslat, eh bien effectivement, elle aurait mis l'accent aigu sur le premier E du verbe présenter. Donc effectivement, un présenter, P-R-E accent aigu, S-E-N-T-E. R. Se présenter, donc verbe pronominal, je me présente, tu te présentes, il, elle se présente, nous nous présentons, vous vous présentez, il, elle se présente. Roman nous propose s'interdire. Non, pas vraiment Roman, désolé, mais c'est vraiment se présenter ici. Hein. Regardons le numéro 5. Le numéro 5, verbe assez classique, normalement vous devriez le connaître, allez-y. Alors, je dis bravo, effectivement, et c'est vrai que là, alors là, Cosmina, elle est en forme. Hein. Là, Cosmina, première à chaque coup, c'est le verbe attendre. Le verbe attendre est un verbe du troisième groupe. Quand vous le conjuguez, eh bien, il n'est pas très très difficile, mais j'attends DS. Tu attends DS, il, elle attend D. Phonétiquement, c'est la même chose, mais on va, eh bien, l'écrire DS, DS, D. Après ça, nous attendons, vous attendez, ils, elles attendent, avec la liaison, ils attendent, elles attendent. Allez, on continue, eh bien, avec le prochain exercice. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », c'est très très gentil, merci. Cosmina qui nous dit, eh bien voilà, il y a deux bonnes raisons. Deux bonnes raisons pour la rapidité. J'ai fait le vaccin, mais vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Et je suis en 5G, là, ça va très très vite. Quelqu'un qui est très performant. Allez, trois mots s'il vous plaît. Regardez cette, c'est pas une photo, c'est plutôt une image. Et trouvez-moi s'il vous plaît, trois mots, allez-y, écrivez les mots que vous voyez dans cette image ou éventuellement à quoi vous fait penser cette image, allez-y. Alors, Curiosidades qui pose une bonne question, une question intéressante. Comment savoir si un accent est aigu ou grave ? Ma première réponse, Curiosidades, serait à votre niveau, c'est-à-dire quand on apprend du français, mais plutôt français langue étrangère, et que ça n'est pas un niveau universitaire où vraiment vous voulez l'apprendre pour l'enseigner, ou c'est pas vraiment la peine de comprendre, il faut juste mémoriser. Il y a certaines choses qu'on peut connecter à l'arrivée de certains accents en français, mais c'est assez complexe et il y a toujours des exceptions. Mon conseil, c'est d'apprendre tout simplement, et c'est aussi un peu phonétique. On travaillera là-dessus. Yulia qui nous dit le sapin, le vélo, attention, et un professeur. Ah non, pas partout quand même, pas partout.
Alors, qui est-ce qu'il y a d'autre? Greta qui nous dit un vélo, un orme et un arbre. Très bien. Idéalement, vous auriez dû mettre les articles, s'il vous plaît. José qui nous dit vélo, homme, arbre. Très bien. Hillary, un arbre, un vélo, un homme. J'ai l'impression que tout le monde me propose la même chose. Je regarde s'il y a des choses. Cosmina qui utilise encore une fois un adjectif que j'aime beaucoup. Époustouflant. Époustouflant. Vous avez dans le même style, vous avez ébouriffant qui est pas mal aussi. Mais époustouflant, c'est vraiment bien. Alors, je regarde. Vouslat nous propose les peupliers, c'est pas mal aussi. Regardons ce que les autres mettent. Puisque vous mettez globalement un petit peu tous la même chose, et c'est bien. Curiosidades qui nous dit les montagnes aussi. Effectivement, on voit des montagnes, on pourrait parler de collines. Si c'est un petit peu moins abrupt et moins haut. Sylvia qui nous dit bicyclette et homme, très bien. Je regarde les autres. Kategik qui nous dit faire du vélo. Oui, effectivement. Attention, faire du vélo, hein, faire F-A-I-R-E, faire du vélo. José Romildo qui nous dit des montagnes, c'est magnifique. Preticari, l'eau, oui, le vélo, les arbres, bah, écoutez, c'est formidable. Et José qui rajoute avec effectivement un lac. Alors, regardons Daria. Daria qui nous dit une bicyclette avec un Y, ce serait encore plus joli, Daria. La nature et les collines, très bien. Et Yossi qui commence à demander « Est-ce que tu as fait le deuxième vaccin à Cosmina ?» Maintenant, tout le monde va parler de vaccin. Ça va être le sujet de 2021. « Est-ce que tu as fait le vaccin ?» Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait, mais je pense que ça pourrait être sympa de le refaire. J'ai changé un petit peu, j'ai gardé certaines choses. C'est le portrait chinois. On va commencer avec la première chose. Si j'étais un meuble, je serais. Quel meuble seriez-vous si vous étiez un meuble? Allez-y. Alors, j'ai le sentiment d'avoir posé une question effectivement philosophique. Et non, Daria est de retour. Je ne sais pas si Daria est vaccinée, mais en tout cas, Daria est toujours très efficace. Et Daria nous dit une table parce que tout le monde en a besoin. C'est vrai qu'on a tous besoin d'une table. Alors, table haute, table basse, table de cuisine, dans le salon, je ne sais pas. Yossi qui est beaucoup plus précis puisque Yossi nous dit la table de la cuisine. Sundar, si j'étais un meuble, je serais un canapé. Maria, un avion? Maria, ce n'est pas un meuble, Maria, mais c'est gentil de proposer. Victoria Jacques, si j'étais un meuble, je serais un lit. Donc, je n'ai pas à mou... Ah, quel est le verbe? Victoria Jacques, je ne comprends pas votre verbe. 520, bonjour, bonjour. Participez. Participez au cours, l'ambiance est bonne. Yessero qui est avec nous. Si j'étais un meuble, je serais une chaise, car j'aime supporter les gens. Alors, chaise ou fauteuil, ça c'est une bonne question. Hein. Le fauteuil est plus confortable, alors peut-être que vous préférez la chaise. Curiosidades, si j'étais un meuble, je serais un meuble très confortable, avec des designs attrayants, peut-être modernes. Omar, je serais une table pour être à côté de la nourriture, c'est ça? Prêt pour manger?
Ah, donc une table dans la cuisine ou dans le salon ou dans la salle à manger. Stardust, je serai un lit, je ne dors pas assez. Ah ben oui, mais si vous regardez les séries chut, comme ça, c'est normal. Kang, si j'étais un meuble, je serais la chaise. Ça, c'est bien. Rihanna, si j'étais un meuble, je serais une chaise et je suis très confortable. Kategi qui nous dit « Je serai une pyramide ». Alors, la pyramide n'est pas vraiment un meuble, c'est une construction. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ? Susanna, si j'étais un meuble, je serais un canapé. Victoria Possé, je serais une table à quatre pieds qui est très stable et bien soutenue. Hilary qui nous dit « Si j'étais un meuble, je serais un lit confortable. » José, je serais une commode. Ça, c'est très très pratique avec les tiroirs pour mettre toutes les choses. Barty, si j'étais un meuble, je serais masculin un fauteuil. Laurie qui nous dit une table. Cosmina Bellou qui nous dit « Si j'étais un meuble, je serais le lustre en cristal du salon. » Toujours regarder, jamais toucher. Il faut enlever la poussière parfois, hein. Alors il faut avoir un plumeau ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas il faut dépoussiérer. Yann Arte, je serais une bibliothèque. Ensuite il y avait Julia, si j'étais un meuble, je serais un fauteuil parce que c'est toujours un plaisir de s'y asseoir. Cheryline, je serais une armoire. Aleda, je serais un tiroir. Olga Ruiz qui nous dit je serai un hamac. Ouais, masculin, un hamac. C'est toujours un petit peu dangereux parce qu'on peut tomber quand même. Hein. Victoria Jacques, move, j'ai tapé le mot en anglais. Ah, ça c'est pas sérieux. Hein. Ça c'est pas sérieux. On a dit qu'en français. Vous, Slat, si j'étais un meuble, je serais un buffet. Ça c'est pas mal. Cassandra, si j'étais un meuble, je serais un canapé pour s'asseoir tous les soirs. Oui. Roman, si j'étais un meuble, je serais un canapé moelleux. Et, alors est-ce que vous voulez dire confortable? Ça je ne sais pas. Pretty, Carrie, si j'étais un meuble, je serais une belle table d'études en acajou. C'est vrai que l'acajou, c'est magnifique. Alors là, c'est magnifique. Très bien. N'oubliez pas que Daria a toujours raison. Et Daria dit, il faut cliquer sur le bouton like, s'il vous plaît. Tenez, regardez. Ben non, je ne veux pas vous le mettre, mais cliquez sur like. Deuxième chose, allez, si j'étais un style de film, si j'étais un style de film, eh bien, je serais à vous la parole. Alors, Sharkion nous pose une question en anglais. How do I know masculine and feminine words in French? Well, it's a good question, Sharkion. It's a bit, I mean, right now it will be difficult for me to answer to you. I've been making some videos covering this topic. So basically, it's extremely difficult to know whether a noun by its nature is masculine or feminine. In some cases, you can guess. But then with the endings of the nouns, you can have some tips. So, but I've been making some videos, so you can have a look at that and it will help you. But you will make some mistakes and it's not the end of the world if you make any mistakes with the gender. There are a few words that can be tricky, but in most of the cases, people will understand what you mean with it. Alors, Yacine qui nous dit « Je serai un film d'horreur », ça j'aime bien. J'ai commencé une période de film d'horreur en ce moment. J'ai envie de me faire peur. Julia, si j'étais un style de film, je serais un film de Wong Kar-wai. Oh, ah ben oui, mais bon, directement avec les réalisateurs. Hein. Moi, je parlais d'un style, mais si vous voulez. José, je serais une aventure, donc un film d'aventure. Hilary Howell, si j'étais un style de film, je serais un documentaire. Toujours des très bons documentaires. Et c'est vrai que si on ne sait pas quoi regarder,
Un documentaire, c'est toujours sympa. Kang Lee, si j'étais un style de film, je serais un thriller. Eh oui. Yossi qui nous dit, si j'étais un style de film, je serais... Attendez, je vous ai perdu, Yossi. Où êtes-vous? Voilà. Une comédie romantique. Ah, ben ça, c'est sympathique. Yessero, si j'étais un style de film, je serais un film muet, car je suis un homme de peu de mots. Yessero, c'est vrai que les films muets, c'est pas mal aussi. Ça relaxe. Roman, si j'étais un style de film, je serais une aventure, parce que j'aime ça. Victoria qui nous dit, si j'étais un style de film, je serais une histoire. Ah non, un film historique. Est-ce que c'est ça que vous vouliez dire? Daria, une comédie parce que c'est un moment de bonheur, une occasion de sourire, de propager la positivité dans le monde entier. Eh oui, c'est vrai, les comédies c'est toujours relaxant. Enfin, pas toujours, mais souvent. Catégeek, si j'étais un style de film, je serais une romance, un film romantique. Cheryline qui nous dit, je serais une satire. Stardust qui nous dit, je serais un film noir français parce qu'ils sont si merveilleux. Ouais, ça dépend quelle période aussi. Hein. Il y a eu des périodes un petit peu difficiles. Les années 80, 90 c'était mieux, mais 80 c'était un peu dur. Curiosidades, je serais un film philosophique et historique car j'aime admirer tout ce qui m'entoure et connaître son origine. Très bien. MNM19 qui nous rejoint. Bonjour, MNM19. Nous espérons que vous allez bien et bonne année. Je regarde les autres. Bickert, si j'étais un film, je serais un film policier pour les gens qui aiment l'action. Victoria Jacques qui nous dit, je serais un film d'action. Avec des explosions probablement et des voitures qui se retournent. Omar qui nous dit, je serai un film d'action dans la nature, loin de la civilisation. Très bien. Aleda qui nous dit, je serai une animation ou un dessin animé. Riena, je serai un film noir. Susanna, je serai arrivé à maturité comme le film Cinéma Paradiso. Ah, ça il est chouette celui-là. Il est très très chouette. Greta, je serai une série de Netflix. D'accord. Dark Tainer, bonsoir, bienvenue et rejoignez-vous. Vous, Slat, si j'étais un style de film, je serais un film romantique. Eh bien, vous, Slat, est romantique. Ça fait plaisir, ça existe encore, les gens romantiques. Yann Arte, je serais un film de documentaire. Cosmina qui nous dit, si j'étais un style de film, je serais un film d'histoire vraie ou véritable, pas une histoire faite pour, à part des vainqueurs, avec une fin heureuse à la fin. Pretty Carriage, si j'étais un style de film, je serais une une romance érotique. Mais qu'est-ce qui se passe, Pretty Carriage? Qu'est-ce qui se passe? Sundar, si j'étais un style de film, je serais une comédie. Yulia, si j'étais... Ah, bah, d'accord. Ah oui, je bois dans une tasse. Comme ça, vous ne savez pas ce que je bois. C'est ça la technique. Allez, on continue, merci. Si j'étais un habit, hein, donc un vêtement, si j'étais un habit ou un vêtement, je serais... Allez, c'est à vous de me dire quel habit ou quel vêtement vous seriez. Eh oui, Catégeek, effectivement, il y a
100 personnes qui regardent et je n'ai que 68 likes. Ce n'est pas raisonnable. S'il vous plaît, soyez gentils. Merci. Cliquez sur like. Soyez gentils. Ça me fera très, très, très plaisir. Allez. Et puis, j'attends toujours vos réponses. Alors, quel vêtement, quel habit seriez-vous ? Cosmina est la première. Si j'étais un habit, je serais une robe en soie. Vous, Slat, si j'étais un habit, je serais une jupe. Ensuite, est-ce que les autres arrivent ? Pour l'instant, non. Je vais remettre la musique. Alors, Daria qui nous dit « Si j'étais un habit, je serais une robe noire parce que chaque femme doit avoir au moins une robe selon Coco Chanel. » Barty, « Si j'étais un habit, je serais une jupe. » Faites attention, Barty, on écrit « J-U-P-E ». D'accord ? Une jupe. Stardust, « Je serais un pull jaune doux. » Qui égaye l'ambiance et qui vous fait vous sentir bien. Eh ben oui, il y a certaines couleurs comme ça qui sont joyeuses et chaleureuses. M&M19, si j'étais un habit, je serais un chapeau. Hillary, si j'étais un habit, je serais un chapeau aussi. Très populaire le chapeau. Yesero, si j'étais un habit, je serais un jean. Greta, si j'étais un habit, je serais une robe rouge. Sundar, si j'étais un habit, je serais un pantalon. Très bien, c'est masculin et c'est singulier. Victoria Possé, je serais un survêtement. Bickert, je serais un manteau pour protéger du froid en hiver. Eh oui, est-ce que vous avez de la neige ? Là, tout autour de moi, c'est complètement blanc. Nicolas ne voulait pas aller à l'école ce matin. Nicolas a dit « Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas aller à l'école. » Bonne technique. Ensuite, Yossi, si j'étais un habit, je serais un costume cravate. Julia, si j'étais un habit, je serais d'accord d'être tout sauf des sous-vêtements. Je ne veux pas. D'accord. Bah non, bien sûr. Bien sûr. Curiosidades, une chemise élégante. José qui nous dit « Je serais un pantalon. » D'accord. On ne dit pas une paire de pantalons, José. On dit juste un pantalon masculin singulier. Omar, si j'étais un habit, je serais une écharpe spécialement avec... Oui, spécialement maintenant avec le froid. Est-ce qu'il fait froid chez vous aussi, Omar ? Faites attention, faites attention. Olga, qui dit rechercher. D'accord. Riena, si j'étais un habit, je serais un sous-vêtement thermique parce que j'ai toujours froid. Eh bien oui. Il faut avoir chaud, c'est important. Abdul, si j'étais un habit, je serais un t-shirt. Roman, si j'étais un habit, je ne serais pas en colère. Attention, Roman, habit, c'est un vêtement. Roman, donc ça peut être un t-shirt, ça peut être un pantalon, un pull, etc. Faites attention, habit et habitude, c'est différent. Pretty Carrie, vous ne comprenez pas la question. Eh bien, vous comprenez probablement maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, Laurie ? Je serai une robe noire classique. Eh bien, ça, c'est toujours très, très joli. Et Kategi qui nous dit, si j'étais un habit, je serais une ceinture. Alors, c'est un accessoire, mais c'est vrai que c'est dans la catégorie et bien des habits et accessoires. Olga, pas de problème. Allez, si j'étais un paysage, je serais, allez-y. Ah oh là là, Daria, elle est tellement gentille parce qu'elle est là pour dire « Allez, cliquez !» Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ce serait possible d'arriver aux 100 likes. Mais je ne force pas les gens. Mais si vous ne cliquez pas, je vais commencer à pleurer et tout le monde sera gêné. Et moi le premier.
Allez, c'est José qui commence. José courageux et vous êtes 100. Cliquez, cliquez. Alors José nous dit je serais un lac dans les montagnes. Ça, c'est vrai que c'est joli. Julia, si j'étais un paysage, je serais un lac dans les montagnes hautes, s'il vous plaît. Mais je vous en prie. Stardust, je serais la Toscane, un paysage pittoresque qui semble très romantique. Eh ben oui. Olga, je serai la mer. Ça, c'est vrai que c'est joli. Daria, ne pleurez pas. Mais je vais pleurer parce qu'il y a 106 personnes. 106 et 75 likes, ça n'est pas raisonnable. Je vais pleurer. Vous allez voir. Vous, Slat, si j'étais un paysage, je serais une mer. Yossi, si j'étais un paysage, je serais la montagne autour d'un lac. D'accord. C'est très, très populaire, ça, le lac et la montagne. Hein. C'est vraiment intéressant. Yessero, si j'étais un paysage, je serais la campagne parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Yessero, féminin pluriel. Comme des animaux et des fleurs. Victoria Possé, si j'étais un paysage, je serais une rivière. Eh bien, ça, c'est vrai que c'est joli. Une petite rivière qui va comme ça. Omar, je serais un lac avec plusieurs arbres autour et un arc-en-ciel. Susanna, je serais la côte de la mer. Ça, c'est vrai que ça peut être très, très joli aussi. Hilary, si j'étais un paysage, je serais une île. Poum, au milieu de la mer. M&M 19, si j'étais un paysage, je serais le Sahara. Alors oui, il n'y a pas grand-chose, mais il y a des dunes. C'est les dunes. Les dunes sont magnifiques. Mercurial, je serais un paysage très tranquille. Curiosidades, un beau paysage avec beaucoup de végétation et une cascade, car l'eau représente le calme. Bickert, je serais un jour ensoleillé. D'accord. Laurie, je serais l'Ouest américain. Barty, si j'étais un paysage, je serais le chemin dans la forêt qui est couvert avec des arbres. Kategeek, si j'étais un paysage, je serais un jardin plein de fleurs. Faites attention, plein de, pas de pluriel, hein, de. Riena, je serais un champ avec un ruisseau, des arbres et des chevaux. Ça, c'est vrai que c'est joli. Roman, si j'étais un paysage, je serais une belle montagne et une rivière. Cassandra, je serais une vallée à côté de grandes montagnes. Teddy qui nous dit « Je serais un glacier ». Ça, c'est vrai que c'est magnifique. Cosmina, si j'étais un paysage, je serais une île avec du sable chaud et fin. Madame est exigeante, caressée par les vagues et les rayons doux de soleil. D'accord. Daria, je ne serai pas la vue de Burj Khalifa trop haut. D'accord. Olga, s'il vous plaît, poussez. Ah oui, appuyez sur les likes, c'est vrai. Allez, on continue. Yann Arte qui nous dit je serai un poisson dans la mer. Numéro 5. Si j'étais un verbe, je serais. Quel verbe seriez-vous? Quel verbe seriez-vous? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Alors, c'est Chériline qui commence et qui nous dit que c'est le verbe rêver qui est probablement... Enfin, c'est un très beau rêve. C'est un très beau rêve. C'est un très beau verbe. Ça me fait penser à une chanson de Mylène Farmer qui est rêver, qui est vraiment une chanson très, très belle. Je vous invite à l'écouter, Chériline. Si vous aimez le style avec les voix très, très hautes, Mylène Farmer, vous allez adorer. Ensuite, regardons. Mohamed qui nous dit « Regardez », donc « Regardez des films ». ».
C'est vrai qu'actuellement, c'est une grande activité pour beaucoup de personnes. Stardust qui nous dit sérénité. Alors attention, Stardust, sérénité, ce n'est pas un verbe, hein. C'est un substantif, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Omar, donc le verbe voyager. Omar, qu'est-ce que ça veut dire voyager? Nous ne savons plus. C'est un verbe qui n'existe plus, monsieur. Alors, Rachid, persévérer. Julia qui nous dit cacher. Hilary qui nous dit si j'étais un verbe, je serais sourire, effectivement. José, attendez, je vous ai perdu. Je serais le verbe jouer. Ça, c'est ouais, c'est bien aussi. Vous, cela, si j'étais un verbe, je serais le verbe rire. Eh ouais. Le rire, c'est un... Il faut rire de tout. Maintenant, il faut rire de tout et dans toutes les situations. Sinon, c'est trop tragique. Yossi, si j'étais un verbe, je serais voyager. Daria qui doit nous quitter. Au revoir, Daria. À bientôt. Bonne soirée. Victoria Jacques, dormir ou boire de l'eau minérale, bien sûr, puisque c'est le mois de... C'est janvier. Et janvier, ça doit être un petit peu spécial, peut-être. Ensuite, regardons. MNM19, si j'étais un verbe, je serais le verbe travailler. Très bien. Curiosidades qui nous dit persévérer et apprendre. Très bien écrit. Yesero, si j'étais un verbe, je serais le verbe lire. Greta qui nous dit, alors attendez, je serais le verbe cuisiner. Olga Ruiz, aimer. Bickert, tolérer et aider. Ça, c'est formidable. Barty qui nous dit le verbe aimer. Alors attendez. Roman qui nous dit voilà, parce que je vois, j'entends toujours que les Français utilisent plus souvent ce mot. Ah oui. Oui, d'accord, c'est pas un verbe. Mais j'aime la façon dont ils le disent. Voilà. Alors, Kategik, si j'étais un verbe, je serais le verbe manger. Oui, tout le monde mange en ce moment. Teddy, le verbe manger aussi. Victoria Posse, si j'étais un verbe, je serais rien que n'importe. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ce n'est pas un verbe, Victoria Posse. Cosmina qui nous dit, si j'étais un verbe, je serais le verbe soigner. Eh oui, mais surtout en plus avec la pchouf. Vous avez eu le vaccin, Cosmina. Félicitations. Moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. J'ai envie qu'on me vaccine. Susanna, je serai le verbe écrire parce que j'écris dans mon travail beaucoup. Laurie, je serai donner. Ça, c'est formidable. Roupa qui nous rejoint. Bonjour ou bonsoir, Roupa. Victoria Jacques, le vin des minéraux. Bon, on cherche toutes les excuses. Moi, je suis d'accord avec vous, Victoria. Vous savez que moi, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Yann qui nous dit je serai le verbe avoir. Pretty Carré qui nous dit je serai dormir, manger et persévérer. Merci beaucoup. Alors, une petite seconde. Je remarque qu'il y a un tout petit détail, voilà. Allez, on y va numéro 6. Si j'étais une ville, je serais. Si j'étais une ville, je serais. Allez-y, dites-moi quelle ville vous voudriez être. Alors, Clétino da Silva qui nous rejoint. Bonjour, bonjour. N'oubliez pas de cliquer sur le petit like. Ce serait très, très gentil et très aimable. Et idéalement, je voudrais avoir 100 likes. Ce serait mon petit plaisir personnel. Merci. Allez, Riena qui commence et qui nous dit, eh oui, je serai Pompéi. Je serai Pompéi. Il y avait une actualité il n'y a pas longtemps sur Pompéi.
Oui, ils avaient trouvé un endroit de restauration rapide, une sorte l'ancêtre du food truck. Vous, cela, si j'étais une ville, je serais Paris. Alors attendez, attendez. Sherilyn, je serais Sydney, bien sûr. Eh bien, ça se respecte. Ça se respecte. J'aime beaucoup la petite illustration, comme d'habitude. Victoria Possé, si j'étais une ville, je serais Paris. Greta qui nous dit, je serais Rome. Yessero, si j'étais une ville, je serais Genève. Ensuite, alors attendez, José, si j'étais une ville, je serais Vancouver au Canada. Ensuite, Cosmina qui nous dit, si j'étais une ville, je serais Vienne. Coquette, propre, tranquille, avec des gens assez élégants. Et quand on ne sait pas quoi faire à Vienne, chut, on valse. Yossi qui nous dit, si j'étais une ville, je serais Vienne aussi. Eh bien, écoutez, il y a un fan club là pour Vienne. Omar, si j'étais une ville, je serais une ville dans les Maldives, peut-être. Victoria Jacques Montpellier. Alors Montpellier, eh bien Victoria Jacques, Montpellier est avec moi. Ma fille qui habite à Montpellier est ici avec son papa et son frère, et c'est super. Julia, si j'étais une ville, je serais une... Alors attendez, je vous ai perdu, Julia. Une ville vide, parce que c'est toujours mystérieux. Susanna, je serais Lausanne. J'aime bien le lac Léman. Darktainer, si j'étais une ville, je serais Anvers, en Belgique. Ouais. Mercurial qui nous dit, je serais une ville abandonnée et désolée. Kategeek, si j'étais une ville, je serais Lyon, en France. Lyon, on mange bien. Et c'est très important à Lyon. Namgil Chemi, je serai Nice. Alors, Curiosidades qui revient. Vincent, comment prononcez-vous cette phrase? Une murmure, murmure au mur. Olga Ruiz qui nous dit, je serai Bogota. Ensuite, alors attendez, je regarde. Laurie qui nous dit je serai Paris. Hillary qui nous dit je serai une ville, je serai une belle ville. Roman, si j'étais une ville, je serais Zurich. Parce que c'est une ville trop belle et la nature est magnifique. Pretty Carré qui nous dit je serai Nairobi. Bickert, je serai Istanbul parce que c'est vraiment exceptionnel. Abdul qui nous dit si j'étais. Ah, c'était un paysage. Rafraîchissez, Abdul. Yann Arte, je serai Venise. Barty qui nous dit si j'étais une ville, je serais le Québec. Stardust nous quitte. Oh, ne partez pas, Stardust. Au revoir et à bientôt. Ah, elle est terrible cette chanson, ce morceau. Excusez-moi, si j'étais une lettre de l'alphabet, voilà, ça va être rapide, je serais. Quelle lettre pourriez-vous être? Et ça, c'est intéressant. Allez-y, quelle est votre lettre préférée? Allez, c'est Julia qui est en première position et qui dit, moi, c'est le Y, Curiosidades, c'est parce que je suis très curieux. Moi, j'aime bien quand vous expliquez, c'est toujours sympathique. Laurie, je serai la lettre L. Darktainer, je serai une lettre de l'alphabet, le W. Yossi, le A. Victoria Posse, qui serait le Z. C'est vrai que c'est comme Zorro, Victoria Posse. Zorro, souvenez-vous.
Yann Arte qui nous dit « Je serai le Y », bien sûr. José qui nous dit « Je serai le J ». Victoria qui nous dit « Je serai le V », bien sûr. V comme Victoria, comme Victoire et comme Vincent aussi. Hein. Je ne veux rien dire, mais voilà, c'est une lettre formidable. Hilary qui nous dit « Je serai le Z ». Abena qui dit « Je serai le P », ça c'est pas mal. Yesero, le Y, très populaire. Vouslat, le V, bien sûr. Allez, je vous laisse continuer. Beaker, je serai le J, parce que ça sonne bien. Ah, ça c'est sympathique, ça. Ça c'est très très sympathique. Apparemment, ça ne sera pas possible. Idéalement, je voulais 100 likes, mais bien sûr qu'il ne reste que 10 minutes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'avoir 100 likes? Je ne sais pas. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton like. Ce serait très, très gentil. Allez, on continue. Comment pourriez-vous traduire ça? N'oubliez pas que je voudrais, eh bien, du passé composé. D'accord ? Ça, c'est un exercice qu'on avait déjà fait. Donc, je me suis dit que pour la première semaine, on va faire des révisions. Et donc, nous allons voir ensemble la première phrase. Comment pourriez-vous traduire cette phrase en français ? Et bien sûr, je veux, s'il vous plaît, du passé composé. Allez-y. Allez, c'est Cherilyn qui est en forme et qui commence la première. Effectivement, hein, nous sommes d'accord ici que l'idée, c'est d'utiliser l'expression « faire du vélo ». Idéalement, je vous ai demandé de le mettre au passé composé. Donc, vous allez mettre « faire » au passé composé. « J'ai fait » avec le verbe « avoir ». « A-I »« J'ai fait » participe passé, F-A-I-T. Vélo, si vous avez l'accent sur votre clavier, un accent aigu, ce serait très gentil. Avec ma sœur. Effectivement, j'ai fait du vélo avec ma sœur. Je regarde, pour l'instant, c'est très très bien. C'est très très bien. Julia, on attend une nouvelle chanson avec Yasmine. Ah, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu as quelque chose en magasin, en français? Pour l'instant, elle est en mode relax, Yasmine. Elle n'est pas là pour se stresser. Deuxième phrase. Allez, regardez cette phrase. I went to a restaurant with my mother. Je voudrais la traduction en français, s'il vous plaît, au passé composé. Allez-y. Allez, c'est Cosmina qui est en forme, effectivement, vaccinée et avec de la 5G. On voit qu'effectivement, elle est en première position ici. Alors, effectivement, on peut avoir les deux possibilités. Je vais vous mettre la deuxième possibilité en option. Donc, je suis allé. Alors, le verbe, c'est aller. Vous voyez, on va le mettre comme ça. Hop là. Donc, regardez, je suis allé, le verbe aller, effectivement, doit être conjugué avec l'auxiliaire être, donc être au présent, je suis. Ensuite, vous allez mettre le participe passé, aller. Comme nous utilisons l'auxiliaire être, nous pouvons marquer
le féminin à aller. Donc, si c'est féminin, vous allez rajouter le E. Au restaurant, donc ça, il n'y avait pas de problème. Et puis, avec ma mère, encore une fois, c'était relativement simple. Mère, attention, accent grave sur mère. Julia demande, Arsène Lupin, est-ce que c'est difficile comme un livre pour mon niveau ? Non, je pense que pour votre niveau en général, Arsène Lupin, c'est pas très très difficile en fait. Vous devriez essayer, il faut essayer. Essayez Arsène Lupin, et puis Arsène Lupin, c'est quand même un gentleman cambrioleur, ça n'est pas n'importe qui. Numéro 3. Allez, numéro 3, regardez cette phrase. I watched a movie with my cousin. Même chose ici, je veux, s'il vous plaît, du passé composé. Alors, Curiosidades, la question est un petit peu... Elle est longue. La réponse serait trop longue. Actuellement, la réponse très simple, c'est actuellement, les ligatures ont tendance à disparaître et les Français sont les premiers à... sont les premiers à ne plus les faire. Donc, mais c'est une grande question. C'est vraiment une grande question. Et là, ce serait trop long pour discuter de ça. Alors, Rupa, today is Tuesday and class should be in English. Well, Rupa, I've been changing a bit the way it was supposed to work, because in fact, I've been noticing that when it's only in English, people don't really show. They're not well as much as if it's only in French. So I thought that we could keep the beginners because it seems that this is the one that people want to participate and to be following. So beginners will still be in English, but the others, I think it's better to do that only in French. And it will help you, in fact, much more than if it's only in English. So in that case, as you can see, the exercises are still in English and in French, but then I tend to explain the things only in French. And it's just for you because it will be better and you will learn faster that way. Alors, regardons ensemble. Ici, voilà. Le verbe, donc c'est le verbe, effectivement, regarder. Le verbe regarder, eh bien, est-ce que c'est... Ah, excusez-moi, c'est vrai, Yesero. Oui, c'est quand je fais des modifications, c'est toujours problématique. Voilà. Le verbe, donc, merci Yesero. Le verbe, eh bien, c'est regarder. Regarder, verbe régulier. Verbe régulier, ça veut dire qu'on va utiliser l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir au présent, j'ai. Ensuite, vous mettez le participe passé. Très facile, c'est un verbe régulier. Donc, regardez, accent aigu à la fin. Après, vous avez le mot film, c'est masculin. Bonjour, Len Maya. Et puis, avec ma cousine ou mon cousin, si c'est le masculin, certaines personnes ont choisi le masculin, mon cousin, ça pourrait être ma cousine aussi. D'accord ? Alors, regardons numéro 4. Et là, je regarde Yesero si ça change. Allez, I called my grandmother. Comment est-ce que vous pouvez traduire cette phrase en français au passé composé, s'il vous plaît ? Alors, pour les personnes qui arrivent, n'oubliez pas de cliquer sur « like », s'il vous plaît. Mon objectif, c'était 100 likes et je ne sais pas si ça va être possible. J'espère, je croise les doigts, j'espère qu'on va arriver à 100, ce serait pas mal. Alors, je regarde, Cheryline est la première et effectivement, Cheryline utilise « appeler », ce qui est parfait, effectivement. Personnellement, j'avais utilisé « téléphoner ». Appeler, je l'accepte, pas de problème. Alors attention Cosmina, appeler, hein, vous allez avoir juste un seul L, faites attention. Hein. Susanna, c'est la même chose. Hein. Appeler, juste un seul L, on double le L
quand on le conjugue au présent pour je, tu, il et il au pluriel. Là, vous doublez le L, sinon c'est juste un, d'accord ? Cassandra aussi, appelé avec un L. Lane Maya, attention, téléphoner, ouais, regardez, téléphoner c'est PH, téléphoner avec le PH. Je regarde, José c'est bien, vous cela pas de problème, les autres c'est bien, si vous avez l'accent, hein, téléphoner ou appeler avec accent aigu sur le dernier pour appeler en tout cas. Regardons, ouais, alors j'ai téléphoné à ma grand-mère, j'ai appelé ma grand-mère, hein. Attention, téléphoner à, appeler ma grand-mère, complément d'objet direct ici. Très bien, allez, numéro 5. Numéro 5, regardons ensemble. Regardez cette phrase. I invited my mother-in-law to the opera. Comment est-ce que vous pourriez, eh bien, traduire cette phrase au passé composé en français, s'il vous plaît? Alors, Bickert, non. Hein. On est d'accord que les deux sont différents, c'est-à-dire téléphoner à quelqu'un, appeler quelqu'un. D'accord ? Donc ça, faites bien là, notez les choses. Donc j'ai appelé la grand-mère. Allez-y. Cosmina qui nous dit en premier, j'ai invité ma belle-mère pour aller à l'opéra. Oui, alors c'est bien. Effectivement, personnellement, j'avais juste mis j'ai invité ma belle-mère à l'opéra. Pour aller à l'opéra, c'est parfait aussi. Cheryline, j'ai invité ma belle-mère à l'opéra. Très bien. Yesero, j'ai invité ma belle-mère à l'opéra. Ouais. Si vous n'avez pas les accents, pas de problème. N'oubliez pas de visualiser les accents sur l'écran. Accent aigu pour inviter. Belle-mère pour grave et opéra aigu. Omar, c'est bien, j'ai invité ma belle-mère à l'opéra, Yossi, c'est parfait, Barty, ça va, Susanna, ouais, Roman aussi, Hilary, ma belle-mère à l'opéra, Julia, j'ai invité ma faux, mais non, belle, c'est une belle-mère, et on adore les belles-mères en général, j'ai invité ma belle-mère à l'opéra. Rupa à un opéra, ouais, en général à l'opéra, hein. Vous allez dire à l'opéra, à le cinéma, donc ça devient au cinéma, hein, à l'opéra, au cinéma, au théâtre, etc., etc. Allez, on continue, s'il vous plaît, cliquez, il reste quelques secondes, mais surtout cliquez pour arriver à 100 likes, merci. Allez, on va faire celui-là parce que j'avais trouvé que l'image était sympa. Regardez cette image et imaginez ce qu'ils disent. Que disent-ils ? Allez-y. Alors personnellement, je vois uniquement 99, donc je partage votre enthousiasme, youpi, mais je ne vois pas les 100 encore.
Alors, Bicotte qui nous dit, ils disent « Allez, s'il vous plaît ». Rupa, l'éléphant est différent. J'adore cette histoire, il faut avoir des choses de tous les côtés différents avant de juger. Oui, oui, oui. Mais moi, j'aime bien la réaction de l'éléphant. L'éléphant est comme ça. José, c'est un gros animal, effectivement. Yann Arte qui dit « Allez ». Yesero qui dit « C'est une queue ». Mais l'autre dit « Mais non, c'est de l'ivoire ». Victoria Possé, ils disent que cet éléphant est très lourd. Ou peut-être gros, je ne sais pas. Lourd, c'est quand on porte, mais oui, probablement. Barty, ils disent que c'est un grand animal. Cheryline, il y a sans ambiguïté un éléphant littéral dans la pièce. Mais c'est difficile de le découvrir quand on ne peut pas le voir. Romane, les enfants aiment l'éléphant. Mercurial, ils disent « Voulez-vous jouer ?» Namgyal qui dit « Ils disent qu'il est calme. » Omar, viens, c'est un éléphant de vérité, ou en vrai, et loin d'un cirque. Yossi, je ne veux pas aller au confinement. Imaginez le masque pour l'éléphant, ce serait incroyable, incroyable. Avec la trompe, est-ce qu'on doit mettre la trompe dans le masque? Curiosidades, ils lui disent, tu as beaucoup mangé le 31. Ils pensent que c'est un ami, peut-être, qui a trop mangé pour le 31. C'est possible. Cassandra, ils pensent que cet animal, que c'est un animal parce qu'il est énorme, et oui, c'est obligatoire, ça doit être un animal, il est tellement, tellement grand. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à dire, ou est-ce que nous arrêtons pour aujourd'hui? Attention, attention, Vouslat, qu'est-ce qu'il a mangé pour devenir si gros? Des gâteaux, peut-être effectivement, les pâtisseries que nous avons découvertes au semestre précédent. Catégique, les personnes aveugles découvrent, avec un V, un éléphant. Effectivement. Merci beaucoup. Alors, attendez. Hillary qui dit « Mais nous sommes où ?» Oui, c'est vrai. Nous sommes où ? C'est un petit peu étrange. Cosmina, je suis curieuse. Qu'est-ce que c'est que la tête d'un éléphant avec 6 mecs maladroits autour de lui ? Mais ça, quand vous regardez la tête de l'éléphant... Il a peur. C'est un animal qui a très peur, là. Allez, je vous dis merci. C'était très, très agréable et très sympathique, comme d'habitude. On s'est bien amusé. J'espère que vous avez appris quelques petites choses. Rendez-vous demain. Demain, ce sera encore en français, parce que c'est un niveau avancé. Et puis, je vous dis un grand, grand, grand merci. Et n'oubliez pas de profiter de la vie, parce qu'elle est un petit peu courte quand même. Merci, au revoir. Yksin, parvekkeen kaiteella. Alla maailma, jonne et tahdo palata. Suurin ongelma on, ettei ole ongelmaa. Tarpeeksi soha, joka allen sinut musertaa. Sen reunan ja asetut roikkumaani. Et ainoa mitä tehdä pitää, on pitää kiinni. Ymmärrä, kuinka me turhaan pelätään.
Vainomita terapita, ompita kiinni.